Good morgen, allez, Iden, les tutos aujourd'hui, le Nishmat, Rachamim ben Rosa, Chaya bat Tova, ainsi que leur foi, Trefel, Zevon ben Chayam Alia, Miram bat Rassita, Dov ben Yudit, Esra bat Matir, Kator, Shachol Israël. Ce que c'était aussi d'aider une prochaine étude de Mishnah à contacter sa communauté éternelle. Nous étudions Masachet Bechorot, Perek Aleph, Mishnah, Vav. Hamafrish, Pidion, Peter, Chamor, Vamet. Rabbi Eliezer Omer, Chayavin Bacharayuto, Kechamesh Slaim Shelben. והחכמים אומרים, אין חייבים באחריותו כפדיון מעשר שני. העיד רבי יהושע ורבי צדוק על פדיון פטר חמור שמת, שאין כאן לכהן כלום. מת פטר חמור, רבי אליעזר אומר, ייקבר, ומותר בהנאתו של טלה. והחכמים אומרים, אינו צריך להיקבר, והטלה לכהן. Notre Michel va parler à présent de la responsabilité, de la garantie du pidion peter chamor. Je m'explique. On va tout de suite prendre deux exemples extrêmes qui sont rapportés dans la Mishnah avant d'arriver au sujet du Peter Hamor, ce sera plus simple. Tout d'abord, Mitzvot Pidyon Aben, tout celui qui a un premier-né garçon, alors il devra, après 30 jours, amener de l'argent au Kohen pour lui donner 5 slaïm. D'accord ? 5 slaïm au Kohen, comme on a l'habitude de le faire dans le Pidyon, dans les Seudot de Pidyon Aben, donc quand il y a un premier-né garçon. Imaginez que j'ai prélevé, quelqu'un, il a prélevé, pas moi, Chazou Shalom, quelqu'un, il a prélevé donc, l'argent qu'il s'apprête à donner au Kohen, et puis après, l'argent est perdu. Il a perdu l'argent. Est-ce qu'il doit reprendre un autre argent pour le prélever? Vous allez me dire oui, d'accord? À la différence du Maaser Sheni. Il y a le Maaser Sheni, c'est-à-dire il y a des fruits que, parmi les prélèvements qu'on doit faire, il y a, on prélève d'abord, on donne un cinquantième au Kohen, c'est la Trouma. Après, on donne le Maaser Rishon au Lévi, un premier dixième. Après, on prend un deuxième dixième, selon les années 1, 2, 4, 5, sur un cycle de 6, 2, 7 ans. Alors, il faut prendre ces fruits-là, ont une doucha de Maaser Sheni. D'accord? Donc, je vais apporter une certaine quantité de fruits, les apporter au Beit HaMikdash, à Yerushalayim, et les manger à Yerushalayim. Ça, c'est le digne de Maaser Sheni. Il y a une halakha particulière que si. J'ai pas la possibilité d'apporter ces fruits-là, et ils risquent de tourner jusqu'à ce que je monte à Yerushalayim. On a la possibilité de transférer la Kdoucha sur de l'argent. Et prendre cet argent, monter à Yerushalayim et le dépenser à Yerushalayim en achetant de l'argent. Si j'ai transféré la Kdoucha, et qu'après j'ai perdu l'argent, est-ce que je dois prendre un autre argent pour acheter une nouvelle fois les fruits, pour faire le rachat de la Kdoucha des fruits? Et la réponse cette fois-ci, elle est que non. C'est-à-dire, on constate qu'en fait, il y a des fois où je rachète où l'argent vient racheter une Kdoucha, et que je dois garantir malgré tout cet argent jusqu'à ce que je le transmette au Kohen, et il y a dans certaines circonstances, ou au contraire, non, l'argent, une fois que la Kdoucha elle a été transférée sur l'argent, eh bien, je n'ai pas de responsabilité de garantir que l'argent il va finalement arriver là où il devait arriver. C'est-à-dire, je reprends, pour le Pidyon Aben, même si j'ai pris 5 slaïm, j'ai pas transféré pour le moment en fait, la Kdoucha du Bechor, du premier-né, sur l'argent pour le moment. J'ai pris l'argent pour le moment c'est encore un argent banal. Et quand je le donnerai au Kohen, alors c'est à ce moment-là que je ferai le rachat. Pour le moment, il n'y a pas encore eu le rachat. À la différence du Maaser Sheni, où le transfert de la Kdoucha, il se fait tout de suite. Je transfère tout de suite. Donc de ce fait, les fruits sont sortis. Ils sont devenus maintenant profanes. Et aussi inversement, la question réciproque qui va se poser, qu'est-ce qui se passe si finalement, Chas v'Shalom, le premier-né meurt avant qu'on donne l'argent au Kohen? On ne va pas rentrer dans ça, c'est un peu plus compliqué, mais en tout cas, c'est pour ça que j'ai dit Chas v'Shalom au début du cours. Parce qu'en fait, là, en l'occurrence, on va parler justement dans notre Mishnah maintenant du statut du Pidyon Peter Chamor. Alors maintenant, c'est ce qu'on entend parler depuis le début du Pérec, bien sûr, vous avez bien compris. On parle d'une ânesse qui a mis en première couche, elle a eu un mâle. Il y a une Kdoucha sur ce petit anon. Il y a une Kdoucha, et qu'il faut transférer sur un mouton, sur un talé. La question maintenant, quand j'ai transféré la Kdoucha sur le mouton, ça y est, donc maintenant, du coup, le petit anon, il est complètement devenu profane, et maintenant, ça a été sur le talé qu'il a eu le rachat de la Kdoucha, même si ce n'est pas une Kdoucha, mais quand même, ça a été transféré sur lui, puis maintenant, il n'a plus de rapport avec l'anon, le talé il est ce qu'il est, le mouton il est ce qu'il est, et si le mouton il va mourir, bah tant pis, le coin il aura perdu, on lui donnera éventuellement la nevela, le cadavre, ou bien non, est-ce qu'on va dire que non?
tu as peut-être transféré la kedusha, mais la kedusha, elle n'a pas fini d'être transférée jusqu'à ce que tu vas transmettre concrètement le mouton au Kohen. Tant que tu ne l'as pas transmis au Kohen, là, ça, c'est pas encore fini ce transfert de kedusha. De ce fait, si le mouton il va mourir, eh bien tu devras apporter un autre mouton pour transférer de nouveau la kedusha. Mais même mieux que ça, c'est la réciproque. Si le petit ânon, finalement, c'est lui qui va mourir, eh bien tu pourras garder le talet pour toi, le petit mouton pour toi, parce que cette fois-ci, il n'y aura plus de nécessité de le donner au Kohen. C'est la double question qui va apparaître, donc. Dans la Reisha et la réciproque dans la Sefa, et on commence à traduire tout de suite. Amafrish pidyon peter chamor umet. Celui qui va prélever un, celui qui va donc prélever, sélectionner un pidyon peter chamor, le rachat du petit ânon qui a été l'ouverture de la matrice de sa mère, va mettre. Et maintenant, ce pidyon peter chamor, ce petit mouton qui était le rachat de la gloucha, il est mort, qu'est-ce que je fais? Eh bien, Rabbi Eliezer Omer, Chayavin Bachariyoto. Rabbi Eliezer nous dit que tu es responsable de garantir. Tu dois le garantir, tu dois apporter un autre mouton à la place. D'où à qui je le compare? Kichamesh Slaim Shelben. Au même titre que les 5 Slaim, les 5 pièces de Sela que tu dois donner au Kohen pour acheter ton fils. Que si l'argent, tu as prélevé de l'argent, puis l'argent il a été perdu, ben tu prends d'autres argent. Parce que pour le moment, le fils n'a pas encore été racheté. Idem avec donc le Peter Chamor, le petit ânon qui a ouvert la matrice de sa mère. Eh bien, pour le moment, la gloucha est encore dessus tant que tu n'as pas transmis le mouton au Kohen. Vachachamim omrim, en chayavin bachariyoto. Tu n'es pas responsable de le garantir. C'est-à-dire, si elle est morte, ben, tant pis pour le Kohen, c'est pas pour toi. Dès que tu as transféré la gloucha, ton ânon, il est sorti, il est devenu profane. La Gdoucha, elle a été transférée sur le mouton, que maintenant c'est devenu le bien du Kohen. Je précise quand même qu'il n'y a pas de Gdoucha sur le mouton. On expliquera un petit peu plus tard, dans la suite du chiffre. Mais pour le moment, donc, le Chachamim nous dit, je vais juste ne pas vous induire en erreur en disant qu'il y a une Gdoucha. J'ai transféré la Gdoucha, c'est vrai, mais sur le mouton, il n'y a plus de Gdoucha. Il y aura juste, c'est devenu le bien du Kohen, d'accord? Je vous expliquerai pourquoi. Après, donc, tu as transformé la Gdoucha sur le mouton. L'anon, c'est devenu un anon profane complètement, c'est devenu le tien. Le mouton, il appartient au Kohen, et s'il est mort, mais tant pis pour le Kohen, c'est le Kohen qui a perdu, c'est pas de ta faute, mal à saute. Ok? Et d'où à qui je le compare? Kepidion Maaser Sheni. Au même titre que le rachat du Maaser Sheni, du deuxième Maaser, du deuxième dixième qu'on a évoqué, qu'on devait monter à Yerushalayim, que si t'as transformé la Kedusha sur de l'argent, et que l'argent, il a été perdu, eh ben, tant pis pour le Maaser Sheni. C'est pas, tu dois pas assumer la perte. Maintenant, un petit témoignage. Heid Rabbi Yoshua et Rabbi Tzadok. On témoignait Rabbi Yoshua et Rabbi Tzadok. Alpidion Peter Chamor Shemet, ils ont apporté que de leur maître, ils avaient un vieux témoignage qui se souviennent de plusieurs années, qu'il y avait un Pidion Peter Chamor Shemet, qui a eu un premier-né, un rachat de premier-né de mouton, d'anon, qui est mort, et après quoi, She'en kan la Kohen Klum, et qu'il n'y avait rien en Kohen, c'est-à-dire que Chachamim n'ont pas dit de rapporter un autre mouton. Donc en fait, la elle a été comme les Chachamim de la Mishnah et pas comme Rabbi Eliezer. Sur ça, je fais une toute petite pause pour vous expliquer que Enkan la Kohen Klum, on n'a plus rien à donner au Kohen, c'est pas exact. Parce qu'on devra quand même donner au Kohen la Nevela, le cadavre de ce mouton, je vais vous le donner. La Mishnah, elle t'a dit, il n'y aura rien pour le Kohen, c'est-à-dire que tu n'auras pas besoin de rapporter un autre mouton à donner au Kohen. Mais Vadaï, c'est sûr que la Nevela, tu devras la donner au Kohen. Maintenant, c'est sur ça que je précise maintenant, ce que je vous ai dit il y a quelques minutes. Que je donne la Nevela au Kohen, qu'est-ce que le Kohen va faire avec cette Nevela? La manger, il ne pourra pas la manger. Quoi? Il pourra par contre la donner à manger à son chien. D'accord? C'est de la bonne viande à donner à manger au chien. Et là, il y a un chidouche. C'est la preuve qu'il n'y a aucune gdoucha sur le Peter Chamor. Sur le Pidion Peter Chamor. Il n'y a aucune gdoucha sur le mouton. On apprendra plus tard, les attachés, on a déjà évoqué cette halakha déjà. Qu'en général, pour tous les korbanotes qui avaient donc une gdoucha forte, qu'après, il y a eu un défaut. Et qu'on les a libérés de leur gdoucha, on l'a transféré sur autre chose, eh bien, l'animal, il garde quand même une certaine gdoucha. Il garde une certaine gdoucha que, par exemple, tu pourras le manger en égorgeant, mais tu ne pourras pas le manipuler avec, de manière méprisante, et tu ne pourras pas non plus le donner à manger au chien s'il y a une nevela. Il faudra l'enterrer. Et eh bien, ce n'est pas le cas, par exemple, pour le Peter Chamor, en l'occurrence, pour le pidyon Peter Chamor, que s'il est mort, eh bien, tu pourras il faudra le donner au Kohen, et Kohen, il pourra le donner à manger au chien, il n'y a pas d'interdit. Maintenant, on s'occupe de la réciproque de la halakha, où cette fois-ci, j'ai prélevé le mouton, j'ai transféré la gdoucha, et puis cette fois-ci, c'est qui meurt, c'est plus le petit mouton, mais c'est l'âne, l'ânon, c'est lui qui meurt.
eh bien on aura la même machloket, bidyuk, la même chose. Met Peter Hamor. Si c'est le Peter Hamor qui est mort, c'est-à-dire c'est l'âne qui a ouvert la matrice qui est mort, Rabbi Eliezer, Omer, Eliezer va nous dire, ben, Kaver, il faudra l'enterrer. Ou Moutar, Be'anato, Shaltale. Le mouton lui-même, l'ânon lui-même, il faudra l'enterrer, il n'y a rien à faire, il n'y a aucun profit. On ne pourra pas donner un homme en coin pour qu'il donne à manger au chien. Ouais, lui, il avait une doucha qui n'a pas été libérée, alors c'est fini, il faudra l'enterrer, plein d'affaires. Tandis que le mouton que j'ai prélevé pour le Cohen, lui, ce mouton, ben, il s'avérait qu'il n'a plus lieu d'être donné au Cohen, puisque sa cause, qui était l'amant, il est mort. Sa cause, pourquoi il devait être donné au Cohen, il est mort. Donc il n'a plus rien, donc ça y est, il est redevenu. Il est redevenu choulin, il est devenu profane totalement, il n'y a pas lieu de le donner au Cohen. Au moutard, ben, anato shaltale, donc on pourra tirer profit, on pourra profiter comme on veut du mouton, même l'utiliser à son propre profit. Tandis que Vachachamim Mourim, non, Vachachamim nous dire non, à l'envers, tout à l'envers. Et dans Tsarich Leikaver, là non, il n'a pas besoin d'être enterré, pourquoi? Parce que c'est un cadavre, comme n'importe quel cadavre que tu pourrais avoir, un animal qui est mort comme ça, de manière naturelle. Ou tu pourras prendre sa viande et le donner à manger au chien, ben, la même chose aussi. Tu pourras prendre l'âne et le donner à manger au chien, c'est devenu le tien. Parce que la kedusha était transférée sur le mouton. Et en l'occurrence, ben, t'allais la Cohen et le mouton, il faudra le donner au Cohen par contre. C'est-à-dire, on retrouve finalement la même réciproque. Ouais, retenez juste en deux mots quoi. Quand j'ai transféré la kedusha de l'ânon sur le mouton, et que j'ai pas encore donné le mouton au Cohen, est-ce que la kedusha, le transfert de kedusha, il s'est achevé à ce niveau-là? Et donc, coûte que coûte, ce que je dois au Cohen, c'est que le mouton, et c'est pas l'ânon. Et s'il y a un problème dans l'ânon, ben je devrais quand même le mouton au Cohen. Et s'il y a un problème dans le mouton, je ne devrais plus rien au Cohen. Ça, c'est Chachamim. Et Rabbi Eliezer va nous dire le contraire. Non, au contraire, la kedusha n'a pas fini d'être transférée, donc pour le moment, elle est encore restée bloquée sur l'ânon. Donc s'il y a un problème dans l'ânon, ben l'ânon, il va falloir l'enterrer, et le mouton, je pourrais le garder pour moi. Et s'il y a un problème dans le mouton, il faudrait que j'apporte un autre mouton à la place. D'où, juste, il nous manque un dernier petit détail quand même à préciser. D'où ça a été déduit? Ça déduit tout ça de Pasouk. Non, ceux qui lisent la paracha de, comme le minag, de lire la paracha de Kadesh quand on met les tefillin le matin, Kadesh l'Kol Bechor, là-bas il y a marqué, il y a une juxtaposition en fait. Je lis dans le Barthénora qui a marqué, au Peter Chamor Tifde Vese, Vimlo Tifde Varavto, Bechor Bechor Banecha Tifde. Et donc le Peter Chamor, l'ouverture de la matrice de ton âne, Tifde Vese, tu le rachèteras sur un, pas un mouton, et que si tu n'as pas racheté, tu devras le briser à la nuque. Et tous les Bechor et les aînés de tes enfants, tu devras, eux, les racheter. Ça, c'est le Pasouk. Rabbi Eliezer apprend qu'il y a en ça une juxtaposition entre les deux. Tandis que Chachamim nous disent non. Ils ont une raison pour qu'ils ne juxtaposent pas, parce que la juxtaposition, elle est juste. Bref, il y a un autre passage plus loin qui va nous déduire que les pdia et kashtiv veulent l'avoir verché. Je l'ai juste juxtaposé pour te déduire que tu peux racheter la kedusha, mais pas pour la chote là, de savoir est-ce que la responsabilité elle est restée sur toi ou pas. Voilà, on a fini la Mishnah, c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine, la slacha, kol tov, salam.